Je suis trop folle pour être adaptée à la société. Je suis trop folle pour être acceptée par les autres. Je jouis de ma folie, mais je refuse de la mettre à contribution. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu veux pas la mettre à contribution, t'es une sale égoïste. D'un côté, je suis une sale égoïste qui refuse de mettre mes dons qui sont en accord avec moi, donc forcément des dons, au service de la communauté. Pourquoi? Parce que je dois me venger de la communauté. Parce que on n'a pas toujours été bienveillant et bienveillante avec moi. Donc la révolte est la meilleure manière. Un, de m'auto-saboter. Deux, de ne pas voir que j'ai des talents, des capacités, des dons de transformation, des dons d'écriture, des dons de verbalisation, des dons d'emmener les gens dans des mondes spirituels, chamaniques, à travers mes histoires. Et que j'esquive, pour le coup, l'indépendance par rapport à toute ma structure familiale qui me pourrit la vie jusque-là. Est-ce que c'est assez clair comme ça? Je vous renvoie au film Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt. Je mettrai le speech auquel je pense de ce film sur ma page Facebook. Et je vous assure que Maëlys, ce que je dis à Maëlys est valable pour tout le monde. Et le speech de Brad Pitt à un moment donné est pile dans la thématique. On refuse de se mettre à contribution, putain. Par vengeance, par quête d'ailleurs, par... par fuite. Pas envie de fuir, pas envie en fait de mourir, presque. Si je fumais, je m'en verrais bien une, tiens. On est capable de se laisser emprisonner par notre attachement au passé. Je me laisse enchaîner par mon passé parce que je veux me venger du reste de la planète, parce que je ne suis pas capable d'assumer les conséquences de mes choix. Que ces choix soient conscients ou inconscients ne compte pas. L'essentiel, c'est maintenant, est-ce que je me regarde en face? Est-ce que tu te regardes en face? Ou est-ce que tu choisis de continuer à fuir tes responsabilités? Et ça me ressort l'information, je ne suis pas apte à vivre en société. Donc on tourne autour de ce système-là. On tourne dans ce système-là pour éviter de voir qu'on veut se venger. Et que cette vengeance, en fait, elle est OK. C'est OK de vouloir se venger. C'est OK de prouver aux autres que tu es meilleur qu'eux. C'est OK. Il n'y a pas de... Ça vient vraiment d'un dogme de « ça c'est bien, ça c'est mal ». Ou alors, au contraire, d'un non-dogmatisme. Un côté, j'ai tellement été sans règles qu'il faut des règles. Et que du coup, je me contrains dans encore plus de règles pour voir que j'ai raison. Comme si, en fait, voilà, le groupe de ce soir, il raisonne ça. On se venge sur sa lignée, sur ses parents. On se venge de la société en s'enchaînant soi-même. Et avec ça, j'ai tout dit. Merci pour ta question, Maëlys.